Ça va? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de ma mère, mais c'est simple, comme vous devez tous le savoir, c'est parce que chez nous, en Tunisie, c'est la femme qui commande. À ceux qui ne me croient pas, vous n'avez qu'à regarder la révolution tunisienne, hein. Sans la femme de Ben Ali, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Donc avec nous, Samia Rosman, avec votre performance aujourd'hui pour soutenir la Tunisie. Donc qu'est-ce que vous voulez véhiculer, que ce soit en Tunisie, et comment allez-vous véhiculer une image positive de la Tunisie à l'étranger? Ben, je voudrais véhiculer que tout ce qui se passe ici, alhamdoulilah, va pour le mieux, que la Tunisie est un pays merveilleux à découvrir, où il y a des gens complètement différents, de différents bords et de différentes façons de penser, et qui pourtant cohabitent. Donc vraiment, c'était le message que j'essayais de faire passer. C'est juste quand je parlais, trac, 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 et il avait envie, voilà. Vas-y, refais l'ambiance. À chaque fois que c'est moi qui prends le micro, il remet. Ils essaient de me saboter, en fait. Ils veulent pas que je parle. Tu te rends compte, quand même. Eh, mon ami. Moi, j'ai dit, je suis chez moi. Je croyais on allait bien m'accueillir. Mais les gens, là, ils font du bruit exprès. On m'a pas laissé m'exprimer, quoi. Mais comment? J'ai attendu toute la soirée que ce soit mon tour. À la fin, voilà comment tu fais.